Alors, les sciences sociales, la sociologie, l'anthropologie s'intéressent depuis longtemps à la question de l'agriculture. Elles s'y intéressent à travers l'organisation des systèmes socio-techniques que constitue le monde agricole, ses transformations, ses mutations. On a eu une très belle fresque présentée hier après-midi. Elles s'y intéressent à travers la problématique des territoires qui met en relation des populations avec des activités diverses, et elle s'y intéresse à travers la façon dont les consommateurs réagissent par rapport à des propositions qui leur sont faites depuis l'univers agricole, l'univers de la production alimentaire. Et c'est cette troisième grille de lecture que je voudrais tenter de développer avec vous. Et je dois vous dire que c'est plutôt une lecture par l'aval, avec la question des crises alimentaires, la façon dont les consommateurs s'invitent dans des débats dans lesquels ils étaient parfois considérés un peu comme une variable très secondaire et pour lesquels on avait un certain nombre d'idées assez précises, même peut-être on avait imaginé leur forme de rationalité, et dès lors qu'ils ne se comportent pas tout à fait comme on s'y attendait, voilà qu'on a un peu tendance à les trouver assez irrationnels, ces gars-là. Et j'ai centré ma communication à la demande des organisateurs, sur cette question des rationalités. Ceci dit, vous entendant depuis hier, je travaille sur un autre deuxième objet, qui est l'objet du tourisme et des transformations. Et me semble-t-il, il y aurait aussi ici un certain nombre de croisements possibles. J'en dirai deux, trois mots tout à l'heure. Je vais travailler en trois temps. Le premier temps, sur cette question de la rationalité, je voudrais débusquer avec vous, tranquillement, j'allais dire, les grilles de lecture spontanées, héritières d'un certain nombre de disciplines scientifiques, à partir desquelles on mobilise de façon un petit peu naïve une façon sub-hypothétique de se comporter du consommateur. La deuxième partie, j'essaierai de voir comment la socio-anthropologie de l'alimentation reconfigure ou reproblématise cette question. Et puis, je terminerai par un petit inventaire à l'après-vert de quelques objets qui pourraient être des objets de recherche, pour un certain nombre, parce que des connaissances commencent à s'accumuler, des objets d'enseignement, et j'en approfondirai un ou deux. Alors, première grille de lecture, assez spontanée dans l'univers scientifique. Le mangeur est un être biologique. Alors cette question de la rationalité, somme toute, ou de son raisonnement, il n'y a pas beaucoup d'espace. La décision de manger serait le résultat d'un état physiologique, de manque, et puis il y aurait des mécanismes de réaction, de déclenchement de comportement. Il y a bien un espace au jeu social ou à la décision individuelle, mais somme toute, elle est relativement faible. Et on pense que, la science avançant, il conviendra d'expliquer aux mangeurs les bonnes règles, celles que la science nous donnera, pour qu'ils se comportent comme il faut et pour être en bonne santé. Il faut donc mettre au jour ces règles et puis les diffuser par la santé publique. Autre grille de lecture diamétralement opposée, dans laquelle l'espace de la rationalité du mangeur est relativement faible, c'est l'approche psychanalytique. Alors, l'alimentation s'inscrit dans l'ordre du désir, la sexualité et l'alimentation ont toutes deux pour origine la libido, la première au service de la conservation de l'espèce, lorsque les psychanalystes se laissent aller un peu à une réflexion un peu phylogénétique, et la deuxième, à la conservation de l'individu. Dès lors, les mobiles qui nous poussent à manger semblent nous échapper, et un certain nombre de travaux talentueux abordent la question de l'anorexie ou de la boulimie ou de l'obésité avec des grilles de lecture qui, somme toute, ont une certaine pertinence. La décision, ici, de l'individu renvoie à une rationalité psychologique. Les anthropologues historiques abordent cette question en montrant que les cultures pèsent très lourd
très très lourd sur la définition de ce qu'on appelle un aliment, sur les modalités de préparation, sur les modalités de consommation. Et c'est très compliqué même de changer dans certaines rencontres culturelles réservent des émotions extrêmement intéressantes, d'autres des émotions d'une brutalité difficilement soutenable. Je vous fais l'économie de vous raconter quelques repas de chien que j'ai pu faire au Vietnam ou en Asie du Sud-Est. Et Dieu sait si c'était un honneur qui m'était fait de m'inviter à ce repas où il y avait sept plats de chien qui allaient se succéder. Et quand votre bouche vous dit « Putain, c'est bon cette affaire. Si c'était pas du chien, j'en reprendrais bien. » Vous percevez à quel point le culturel façonne jusqu'au physiologique. Alors, les anthropologues nous ont appris que les modèles alimentaires, ils préexistent à l'individu. L'individu débarque dedans et il choisit pas tout. Une sociologie classique, on va dire une sociologie de la distinction, une sociologie, mais même, somme toute, rudimentaire, avec 3-4 variables très simples, le sexe, l'âge, la position hiérarchique dans la société, arrive à produire des choses très intéressantes. On mange pas du tout de la même façon en haut de l'échelle sociale, en bas de l'échelle sociale. C'est assez banal. Et on voit ici des mécanismes de surdétermination sociale. Et puis, il y a des théories qui, elles, mettent en avant la rationalité du mangeur. La théorie du choix rationnel en économie, très bel outil, postule que l'homme est un être rationnel et que ses décisions résultent d'un raisonnement ou d'un arbitrage entre des coûts et des avantages. C'est extrêmement pratique parce que ça se modélise. Alors on peut rentrer 1, 2, 3, 4 variables. Un autre aspect très intéressant, c'est qu'on peut faire rentrer la temporalité. Il y a des conséquences immédiates, il y a des conséquences plus lointaines. Et on peut faire de la belle science en produisant des modèles sur cette grille de lecture. Et donc, si un individu ne se comporte pas comme il faut, ben, c'est qu'il n'a pas les bonnes informations. Et dans cette grille de lecture, les leviers d'action, c'est de modifier son stock de connaissances. Alors, vous avez vu quelques grilles de lecture partiellement concurrentes, parfois durement concurrentes, et qui amènent une certaine difficulté à répondre à cette question, comment raisonne le consommateur ? Y compris d'ailleurs quand nos collègues économistes modélisent, de temps en temps les consommateurs ne se comportent pas de façon rationnelle. Alors on fait appel à ce moment-là aux sciences sociales ou à la psychologie. Et je vous propose de regarder comment on pourrait changer cette grille de lecture, ou en tout cas la complexifier. À partir du concept d'espace social alimentaire, emprunté à Condominas, anthropologue de l'Asie du Sud-Est, et le premier travail ou la première difficulté pour les sociologues, face à un objet comme l'alimentation, c'est de faire la démonstration de la dimension sociologisable de cette question. Parce que, au moment où la sociologie se fonde, elle a montré son utilité par rapport à d'autres disciplines. La première, c'est la psychologie, qui vient déjà de s'institutionnaliser, et qu'on ne confonde pas cette discipline avec la psychologie. Et la deuxième, c'est de montrer que c'est des choses, il y a une espèce d'autonomie, il n'y a pas une espèce, il y a une autonomie du champ scientifique, et que c'est quelque chose qui ne doit pas toucher à la biologie. Et vous avez pu comprendre hier comment la suprême insulte qu'on puisse faire à un sociologue, c'est de le traiter de sociobiologiste, éventuellement de géographe. Hein, c'est deux insultes insupportables. Alors, cette question-là, le concept d'espace social présente un avantage. C'est qu'il permet de repérer des dimensions sociologisées ou sociologisables de l'alimentation. Mais il permet également de commencer à penser les interactions entre culture et biologique, et entre culture et écosystème. Alors, la caractéristique du mangeur humain, c'est d'être dans une situation où il est soumis à des jeux de contraintes qui s'appliquent à lui, mais de façon relativement souple. C'est-à-dire que les sciences de la nutrition produisent des connaissances
et avance de façon très sérieuse sur les contraintes physiologiques qui pèsent sur l'individu. Bien sûr, il faudrait, pour être très fin, introduire des notions temporelles sur les conséquences, à l'échelle courte du temps. On sait qu'il y a quelques contraintes relatives aux acides aminés, aux acides gras, au stockage des micronutriments, mais somme toute, la nutrition humaine n'a pas grand-chose à dire. S'il s'agit de choisir des protéines ou des acides aminés venant du chien, du chat, des œufs, du lait, voire des céréales, à très court terme, elle n'a pas grand-chose à dire. À moyen terme, on peut dire un certain nombre de choses. À très long terme, on peut commencer à discuter. Donc il y a une espèce de liberté de choix. En même temps, il y a une capacité de l'organisme humain à amortir un certain nombre de situations de manque, qui fait qu'il y a un espace de liberté. De l'autre côté, il y a des contraintes écologiques. Mais tout à l'heure, était clairement montré que les limites n'étaient pas dans le système, mais dans la manière, dans les ressources, mais elles étaient dans la technologie. Et là, les anthropologues nous ont beaucoup appris de choses. Le roi Gourand, Audricourt, sur la technologie comme science humaine. Aujourd'hui, les contraintes écologiques qui pèsent sur un mangeur humain, elles se sont très largement transformées en contraintes technico-économiques. Mais on peut étudier les mécanismes d'interaction. Alors, excusez-moi, avant. Donc, deux jeux de contraintes, mais un espace de liberté qui va permettre aux sociétés, aux différentes cultures, de venir utiliser, excusez-moi de personnaliser les cultures et la société, accepter la simplification, de venir utiliser cet espace de liberté pour créer de l'identité, pour créer de la différence, c'est-à-dire pour l'utiliser à des fins sociales. Alors, on va pouvoir distinguer toute une série de lieux où on va lire la société. On va la lire sur l'ordre du mangeable, du chien ici, du lapin là-bas, végétarien, etc. Et on va avoir tout un ensemble d'éléments de valorisation culturelle. Deuxième élément, sur les systèmes alimentaires, ce que nous entendons, c'est les systèmes de production, qui sont à la fois de la technologie, mais en même temps des formes d'organisation et d'interaction sociale. C'est en même temps la cuisine. Lévi-Strauss nous a appris que la cuisine, c'était beaucoup plus que de la technologie. C'est quelque chose qui contribue à l'articulation du naturel et du culturel. Et la constitution, la création de quelque chose qui est d'un nouvel ordre, qui est l'aliment. Les habitudes de consommation, combien de repas par jour? La science semble avoir des réponses à cette question. L'anthropologie s'étonne de la diversité. 1, 2, 3, comment on mange? Avec les doigts, avec une fourchette, avec une baguette? Quand on mange à la main, c'est pas parce qu'on ne peut pas se payer de fourchette. Ça renvoie à toute une organisation sociale. Et dès qu'on accroche ces questions, c'est toute la société qui arrive. La temporalité alimentaire, temporalité sur des grands cycles, sur la journée, et puis tout un ensemble de phénomènes de hiérarchisation, d'expression des différences internes à une société et externes. Et puis, on peut étudier là-dessus, avec la nutrigénétique et la nutrigénomique, on a un champ de recherche qui est en train de se développer, particulièrement intéressant, parce qu'il met en dialogue les sciences de la nutrition et les cultures alimentaires, ce que nous appelons les modèles alimentaires. Alors, deux éléments d'impact. Selon le modèle alimentaire, le patrimoine génétique ou l'expression de certains gènes va être plus ou moins favorisé. Et puis, à l'échelle des populations, des phénomènes de sélection peuvent avoir lieu, liés en partie à ce que les gens mangent, c'est-à-dire à leur modèle alimentaire. Et puis de l'autre côté, et là je vais le faire très rapidement, vous avez eu toute une série d'explications au cours de ces deux journées sur l'impact d'un modèle alimentaire, sur les contraintes écologiques. C'était Marshall Salins qui déjà nous rappelait que le paysage alimentaire, le paysage américain est façonné par ce que les gens mangent,
Nos paysages, nous broutons le paysage. Déjà, Brune, la géographie sur cette question avait un peu d'avance. Mais plus que ça, nos volontés, notre désir de manger telle ou telle partie peut aller jusqu'à épuiser certaines ressources. Le goût pour la baleine des Japonais pose un certain nombre de questions. Et c'est un goût qui, à l'intérieur de la culture alimentaire japonaise, prend un sens particulier. Alors, qu'est-ce qu'un modèle alimentaire ? Et ça va être un des outils pour armer notre réflexion. C'est une configuration particulière de l'espace social. C'est-à-dire, c'est un ordre du mangeable, c'est des formes de production, c'est un espace culinaire, c'est des manières de manger, pour faire simple, c'est des formes de différenciation sociale, homme-femme, et elles peuvent être très variables. Il ne faut pas croire que le fait de manger en commun soit universel. Il y a des sociétés, la société polynésienne d'avant la découverte, dans laquelle les hommes mangent d'un côté, les femmes de l'autre. Il y a des aliments pour les hommes, il y a des aliments pour les femmes. Et il y a des résistances encore. La société polynésienne est une des sociétés dans lesquelles il y a le plus d'hommes qui font la cuisine. Parce que historiquement, les hommes faisaient la cuisine pour les hommes, les femmes la cuisine pour les femmes. Et les moments de rencontre n'étaient pas autour de l'alimentation, ils étaient autour d'autres pratiques. Alors, les modèles alimentaires, ce sont aussi des corps de connaissances à respecter comme des corps de connaissances profanes, je ne m'y appesantis pas, et ce sont aussi des codes symboliques. Alors, maintenant j'en arrive à la question de la décision, une fois qu'on a regardé ça. La décision est bien une décision sous contrainte. Le mangeur est pris dans un tas de phénomènes de surdétermination sociale, mais on va distinguer différentes formes de rationalité. La première forme de rationalité, c'est celle que nos amis économistes ont développée le plus. C'est ce qu'on appelle, ou ce que Max Weber appelle la rationalité en finalité. C'est-à-dire qu'un acteur irrationnel, lorsqu'il prend les conséquences de sa décision pour réguler son action. Alors déjà, pour l'alimentation, on voit la difficulté. C'est que les horizons, et j'en ai signalé que quelques-uns ici, c'est les horizons sanitaires, conséquences sur la santé, conséquences sur l'esthétique, je grossis pas, conséquences spirituelles, je suis encore dans la finalité, conséquences de type économique, c'est cher, c'est pas cher, conséquences hédoniques. Et vous voyez la problématique de la temporalité, c'est que conséquences économiques, c'est tout de suite, conséquences sur la santé, c'est demain ou après-demain, conséquences hédoniques, c'est assez rapidement. On peut modéliser. Mais je peux être rationnel autrement qu'en finalité. Je peux être rationnel en valeur. La rationalité en valeur, c'est une autre forme de rationalité qui opère une disjonction entre un comportement et ses conséquences, mais qui considère que ce qui est important, ce n'est pas les conséquences, c'est le respect d'un certain nombre de principes. C'est ce qu'on appelle les valeurs. Alors, prenons un exemple banal. Imaginez que je sois un homme politique, que je suis dans une situation de ballotage, je peux faire des tractations avec différents partenaires. Rationalité en finalité, l'important c'est de gagner, c'est une posture un peu machiavélique. Rationalité en valeur, c'est une posture m'allier avec celui-ci ou celui-ci, pas possible. Et on voit ici que rationalité en finalité et en valeur ne sont pas forcément opposés lorsqu'on introduit la temporalité. Voilà que j'ai renoncé à m'allier avec tel partenaire et j'ai perdu les élections. Mais je reviens 5 ans après devant mes électeurs avec un bénéfice qui peut se transformer en finalité. Ce que je vous raconte, c'est une grande banalité. On passe notre temps à organiser des décisions entre les conséquences et les principes. Est-ce que je peux me regarder dans la glace quand j'ai pris telle ou telle décision ? Mais le problème, c'est qu'on ne réfléchit pas toujours. Et surtout dans l'alimentation, on ne réfléchit pas souvent. Alors, on réfléchit un peu plus qu'avant. Mais il y a aussi la problématique des routines. Sauf que les routines, c'est une forme particulière de rationalité. C'est-à-dire qu'en réalité, les routines, ce sont des
vraiment au sens informatique du terme, ce sont des rationalités encapsulées. Et je déclenche une routine, je ne raisonne pas. Par exemple, moi j'achète du café L'Or quand je suis au supermarché. Eh bien, je ne réfléchis pas, même si le mec il me dit il y a 50 centimes de réduction. Ça ne m'intéresse pas. Je ne le regarde pas. Parce que j'achète ce café-là. Et mieux que ça, j'ai même routinisé la manière de déplacer le caddie. Je sais où il est dans tel supermarché. Et il y a des supermarchés où je ne vais pas parce que ça m'agace, je ne trouve pas le café. Alors, autre petit exemple, vous voyez, un repas, c'est une routine. Entrée, plat garni, fromage, dessert. Mon père, 80 balais, quand il rentre à la maison, s'il venait à l'idée de ma mère de ne pas faire d'entrée, il dirait, mais comment ça, il n'y a pas d'entrée aujourd'hui? En réalité, le raisonnement, il est très structuré, organisé par un ensemble d'éléments routinisés qui en constituent ce que les sociologues appellent l'institutionnalisation d'un comportement. C'est-à-dire un appareil de normes. Et ces appareils de normes se transmettent de génération en génération. Je veux passer très vite, peut-être très vite. Vous savez que certains connaissent les travaux de Fischler, de Rosine, sur le principe d'incorporation, et le travail qu'ils ont fait, qui est un travail pionnier, qui a consisté à montrer que l'alimentation, elle participait aussi à la construction des identités sociales. Je n'ai pas le temps de le faire finement. Il faut le développer. Ça, c'est un des acquis. Et sur cet élément-là, il y a des accumulations de connaissances. La première accumulation, c'est que ces phénomènes s'inscrivent dans des mécanismes d'interaction. C'est-à-dire que l'alimentation construit des identités, mais elle opère des mécanismes de différenciation entre groupes. Et surtout, ces jeux transforment les systèmes de valeurs et transforment les systèmes de représentation. Et puis, comme vous en avez eu une très belle démonstration hier sur les rapports nature-culture, eh bien, le principe d'incorporation tel qu'il a été défini jusqu'à présent, c'est probablement un cas particulier des sociétés occidentales avec, ou de certaines sociétés dans lesquelles il y a une posture du mangeur qui est considérée comme contaminable symboliquement par l'objet mangé. Mais il y a des sociétés qui ne sont pas comme ça du tout. Il y a des sociétés dans lesquelles le mangeur n'est pas contaminable. Et là, ça nous renvoie à toute la réflexion sur les structures imaginaires du cannibalisme. C'est-à-dire, est-ce que je pratique un endocannibalisme métaphorique qui fait que je m'approprie les qualités de l'objet, ou est-ce que je suis dans un exocannibalisme où je détruis l'autre en prenant sa force et sans remise en cause de ma propre identité ? Donc il y a des espaces culturels dans lesquels ces structures fonctionnent de façon différente. Or, je passe ça rapidement. Peut-être pour vous dire qu'aujourd'hui, derrière rationalité instrumentale et rationalité en valeur, rationalité en finalité, rationalité en valeur, notre réflexion, elle est sur de la rationalité cognitive. Et ces rationalités cognitives, elles sont sur des arrière-plans culturels. Quelques mouvements. Ce qui intéresse beaucoup les sociologues, c'est de voir comment l'alimentation est à la fois l'objet de phénomènes de désocialisation et de resocialisation. Alors, désocialisation, on a la montée du médical sur l'alimentation. Alors l'obésité, c'est un pain béni pour l'univers de la nutrition. Le pain béni. Et on a une poussée de la pensée nutritionnelle sur l'alimentation, qui vient substituer à des décisions de type routinière ou traditionnelle, des décisions qui s'organisent autour des connaissances nutritionnelles. Et puis on a une poussée du juridique, qui déplace également les questions sociales, réduisent le social. Mais on a des nouvelles formes de socialisation, avec la question de la patrimonialisation, qu'on pourra prolonger sur la question de l'alimentation. Et puis, une question, c'est une politisation. Hier, Jean-Claude Flamand nous disait, on était en dialogue sur les OGM, et les mecs qui débarquent, ils nous disent, c'est pas les OGM, on s'en fout, c'est Monsanto qu'on ne veut pas. Mais c'est des questions politiques, ça.
Et ces questions politiques, elles s'invitent dans l'alimentation. Alors on peut dire, ouais, ça n'a rien à voir. Peut-être. Enfin, le sociologue, il dit, ça y est quand même. Et on aurait peut-être intérêt à écouter ce qui s'y passe. Alors, la médicalisation, on a un glissement du religieux au médical, du moral au médical, du magique au médical, un tas de choses qui glissent. Le médical s'intéresse à tout, votre impuissance, la fin de vie, voilà. Et on a une poussée, et l'alimentation. Ceci dit, faisons très attention, parce que l'usage du médical, Deborah Lupton nous a appris à regarder ça, est plus proche d'un usage culturel que d'un usage scientifique. Un très grand nombre de malentendus dans le dialogue, par exemple, entre les sciences de la nutrition et la société, tiennent au fait que les usages de la science ne sont pas les mêmes. Alors, on a l'habitude, ou on commence à faire, nous, une distinction entre médicalisation et nutritionnalisation. La nutritionnalisation, c'est la diffusion des connaissances nutritionnelles pour raisonner l'alimentation. C'est-à-dire une transformation des catégories et des cadres conceptuels. Vous avez eu une formidable émission de sociologie des sciences qui s'appelait « J'ai décidé de grossir », au cours de laquelle on nous a présenté cette manière de maigrir. Et qui a eu un effet tout à fait incroyable, c'est que tout ce que la nutrition française compte d'élégant a fait une pétition pour s'insurger de cette question, écrit au Monde, publié dans le Monde une pétition en disant « c'est pas normal cette affaire », et un certain nombre de collègues nutritionnistes ont été convoqués à l'ordre des médecins. En fin de compte, cette émission a servi de révélateur pour montrer l'état de la science, l'état de l'art sur cette question-là. Et le mangeur contemporain, il est là, pris entre l'activité physique et la pesée de son alimentation, à la recherche de ce concept formidablement scientifique qui s'appelle l'équilibre alimentaire. La montée du juridique. Alors, à nouveau, les sociologues ont fait une distinction entre... Excusez-moi, c'est des gros mots. Hein, s'il y a des juristes dans la salle, ne vous en voulez pas. Entre juridication et judiciarisation. C'est deux choses très différentes. La première, c'est la production de normes pour encadrer des phénomènes qui étaient jusque-là socialement normés. Et là-dessus, ah mon Dieu, ça y va. La deuxième, c'est la judiciarisation, c'est-à-dire on n'est pas d'accord tous les deux, au lieu de s'entendre, on va voir le tribunal et on dit au juge, dit arbitrez-nous. C'est la régulation des différends sociaux. C'est deux choses différentes parce que nous avons en Europe une très grande propension à la juridication. On produit énormément de normes, on va moins au tribunal pour régler les différends que dans d'autres espaces culturels. Alors, l'encadrement juridique est poussé par la problématique du risque sanitaire, par la problématique du risque nutritionnel, mais aussi, par des questions qui renvoient à la traçabilité, à la certification, à la labellisation en termes de qualité, c'est-à-dire à des processus qu'on a tendance à qualifier d'organisateurs structurants des rapports de marché. La patrimonialisation, ça c'est un phénomène de resocialisation. Alors, des travaux déjà anciens au sein de l'anthropologie analysent les glissements décrits dans un autre espace de la notion de patrimoine de la sphère privée vers la sphère publique, du matériel à l'immatériel. Et cette question amène à regarder les cuisines, les manières de manger, ses savoir-faire. Mais au-delà des savoir-faire profanes de gestion de la nature, comme quelque chose qui mériterait d'être transmis comme le signe d'un art de vivre, d'une manière d'être, quelque chose qui bouge. Et ça induit tout un ensemble de phénomènes de relocalisation, la politisation,
Eh bien, on a ici des questions scientifiques de fond. Est-ce qu'il faut canoniser José Bové ? Si on ne se pose pas ces questions-là, si on ne prend pas en compte la dimension politique, elle fait retour. Et elle fait retour dans des termes qui sont brutalement, difficiles à traiter. Et puis, la politisation de l'alimentation, elle est aussi le fait des agents, des collectivités locales, territoriales, des gestionnaires du territoire. Parce que l'alimentation, ça les intéresse politiquement. Politiquement. J'en ai fini de cette très rapide balade sur la problématisation de la socio-anthropologie. Et je vais vous ouvrir, pour terminer, quelques points sur lesquels du savoir est déjà disponible et on pourrait commencer à avancer. Le premier point, c'est la consommation alimentaire, une socio-économie de la consommation. Elle a une autre gueule quand on la regarde, à la fois comme espace de décision rationnelle et espace surdéterminé par des phénomènes de valeur. Deuxième élément, c'est la perception et la gestion des risques et la gestion des crises. Troisième élément, c'est la diversité à l'échelle de la planète des modèles alimentaires. Et du point de vue de l'enseignement, c'est quelque chose d'extrêmement fascinant parce que ça ouvre à la compréhension de l'altérité sur des choses d'une extrême banalité, extrêmement concrète. Troisième élément, au quatrième, c'est le tourisme. On en a entendu parler hier. Je crois qu'un chantier extrêmement important, alors je ne voulais pas centrer là-dessus, mais un chantier extrêmement important s'ouvre sur l'articulation entre l'univers du tourisme et l'univers de l'agriculture et de l'alimentation. La gastronomie, c'est une ressource pour le développement local, mais c'est beaucoup plus que ça. Le tourisme, c'est aussi un média qui permet de comprendre, qui permet de visibiliser des choses et de soutenir des formes de commercialisation en dehors du moment des vacances. C'est les rapports science-société, l'obésité et la santé publique, le rapport homme-animal, l'alimentation et les formes d'hédonisation de l'alimentation. Je vais vous donner deux exemples sur deux seulement. Si on me laisse 3 minutes. Non ? Donc je ne parle pas de ça. Pas plus. Crise et risque. Alors, prenons un peu de distance avec la définition de ce que pourrait être la vérité. Fin de la Renaissance, la philosophie nous propose 3 définitions dont on va voir qu'elle est encore en partie fonctionnelle dans nos sociétés. Ce qu'on appelle les vérités par autorité. Thomas d'Aquin nous dit des vérités premières issues des textes sacrés écrits par Dieu lui-même. Deuxième forme de vérité, c'est la vérité par raisonnement. C'est-à-dire celles qui sont issues de raisonnements exempts de défauts logiques. La troisième, c'est ce qu'on appelle, et elle va être promis à un avenir extraordinaire, c'est la vérité par expérience. Alors au départ, c'est au cœur de la philosophie, il faut que l'expérience certifie la vérité, et elle va donner naissance à la vérité expérimentale. Mais on voit dans les postures contemporaines, les vérités par autorité, il y a des vérités par autorité laïque, c'est ce qu'on appelle des vérités de valeur. Il y a des vérités de type religieuse, c'est d'autres formes de valeurs. Il y a des vérités par raisonnement, vous raisonnez, mais la science raisonne souvent. Elle raisonne de façon probabiliste. Et puis il y a des vérités traditionnelles et expérimentales. Alors quand on regarde ces choses-là et qu'on place ces formes de vérité sur un continuum, on voit apparaître un premier espace qui est l'espace de la rationalité scientifique. Alors la science, elle sait des choses, ce dont elle rêve, c'est des vérités solides, démontrées, à l'échelle méta-analytique. 35 publications, même conditions expérimentales, même résultats. Putain, on a du bon, là. Bon. Et puis, de temps en temps, elle n'a pas ça, la science. Alors, elle est là, dans le truc, et on a des beaux outils mathématiques pour probabiliser les choses.
Alors c'est moins solide, mais ça tient. Et puis on a de temps en temps les scientifiques qui raisonnent. Ils raisonnent. Bon. Et puis vous avez l'espace du raisonnement profane. Alors le raisonnement profane, ce n'est pas les conneries de l'autre bout. Hein. C'est le tout, parce que le profane, c'est un peu vous qui êtes allé un peu à l'école. On est toujours les profanes du secteur où on n'est pas les experts. Ça devrait nous apprendre à respecter les profanes. Alors, rationalité en valeur côté gauche, rationalité en finalité côté droite, ou rationalité instrumentale côté droit, oui. Et la sociologie des sciences nous dit « méfiati mihi ». Parce que du côté droit, il y a des fois un peu de rationalité en valeur, et il y a des fois un peu de rationalité sociologique. Comment fonctionnent les revues scientifiques, quelle résistance à l'innovation scientifique, etc. Ça nous amène, je termine avec ça, à regarder une autre manière de gérer le risque. C'est-à-dire de voir comment le risque est évalué en premier cercle, comment il est perçu en deuxième cercle, mais c'est quelque chose qui peut être construit sur des principes d'ingénierie de la décision. Beaucoup de choses se font là-dessus. Je voudrais simplement regarder tout petit peu de détails. Le premier cercle, le deuxième cercle. Une vision classique, c'est de dire il y a premier cercle et deuxième cercle. Il faut incrémenter premier et deuxième. Et un certain nombre de travaux nous amènent à comprendre qu'il y a un moment où il faut lâcher la main. Et que l'expertise de deuxième cercle, il y a des procédures de construction, de mise en place. Alors là, on a tout un espace de réflexion des rapports science-société. Merci de votre attention.